Florent Guillot, mesdames et messieurs les présidents de France. D'Europe des garçons, donc les moins de 17 ans, cet été en Belgique. Et donc Camille Blanc. Championne de France, je ne sais pas combien de titres, 6 ou 7 à peu près. Vice-championne du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans féminine cet été en Pologne. La seule junior française à être sélectionnée en équipe de France adulte et représentera la France cet été au championnat du monde de beach ultimate à Los Angeles en octobre. Pardon. Merci à vous et merci à Patrice, merci Madame la Présidente de nous avoir accueillis. Donc, comme Monsieur le maire nous a demandé son appel des jeunes sportifs méritants, on a pensé à une équipe qui avait fait un championnat, ma équipe, l'an dernier. Et son dernier mois, alors c'est un niveau orange, ils ont 9-10 ans, ils ont battu pas mal d'équipes et ils se sont retrouvés en demi-finale départementale. Et ils sont tombés malheureusement contre l'équipe de Lagor, qui est la plus grande équipe du département. Et donc ils ont laissé leur place gentiment à Lagor pour la finale. Donc Nina a commencé les arts martiaux à 5 ans, elle en a 23. Elle vient d'être reçue à son troisième dan, donc c'est l'une des plus jeunes gradées à ce grade-là de France. Nina, elle est triple championne de France combat, triple championne de France technique et armes, invaincue, parce que l'année dernière, elle n'a pas pu remettre son titre en jeu, elle était blessée. Donc on espère que cette année, elle représentera bien la commune. Elle travaille à Rivedoux, elle est de Rivedoux, donc c'est comme ma fille et je suis très fier d'elle.